Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez vu, je suis pas dans la forêt aujourd'hui. Je suis dans une salle de gym, dans laquelle j'ai passé de nombreuses années à m'entraîner. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a fait un morning pilé et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai un petit lien ici. Franchement, on a vraiment rigolé à tourner cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir et dites-nous ce que vous en pensez. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des anneaux et on va se faire 5 exercices d'abdos avec des anneaux. Au moins, ça vous permettra d'avoir quelques petites idées sur comment travailler vos abdos avec des anneaux. Donc voilà, ça c'est les anneaux que je vais utiliser aujourd'hui et puis en fait ils sont réglables, donc ce sera comme vous hein, au niveau des sangles, ce sera exactement la même chose, donc vous pourrez les régler. Donc moi je les règle ici et là donc si je tire, bah, forcément ça monte les anneaux. Et donc si je les redescends ici, j'ai juste à accrocher à ce niveau là pour être tranquille. Ok, donc premier exercice, je vais positionner mes anneaux comme ceci ici. On va reculer, on va se mettre jambes tendues et on va venir avancer et on remonte. Ok, je suis ici. Toujours, j'essaye de vraiment contracter mes abdos, de bien rentrer mon ventre pour vraiment ne pas relâcher au niveau du bas du dos. Ici, je descends et je remonte. Ok, on a aussi les épaules qui travaillent. Hein. Mais essentiellement, si on reste bien gainé, on a une bonne sollicitation au niveau des abdos. Alors après, vous pouvez très bien le faire comme ceci. Ou sinon, je vais abaisser les anneaux. Bon, je pense que vous devez tous connaître la roulette. C'est un peu le même principe. Donc on se met ici à genoux. Donc là, je positionne déjà mon dos bien enroulé en essayant de bien contracter mes abdos. Je serre mes fesses pour ne pas relâcher mon bas du dos. Ici, et je remonte. Toujours bien gainé, il n'y a aucun relâchement. Ok, donc là j'inspire et je souffle. Ok, donc deuxième exercice, je vais positionner mes pieds dans les anneaux, bon juste mes pointes que je vais mettre comme ceci. Voilà. Ensuite je vais venir donc en gainage, bras tendus, et je vais ramener ici. Et là, et j'essaye vraiment de contracter abdos et en même temps je ramène les genoux. Je contracte et je ramène. Ici et ici. Un peu comme le TRX. On peut faire exactement la même chose. Alors, moi je mets mes poignets légèrement ouverts parce que j'ai des petites douleurs en ce moment aux poignets. Donc le fait de les ouvrir, ça me les sollicite moins. Parce que si je les mets vraiment complètement droit, la butée est plus importante. Ensuite, donc troisième exercice, on va se placer à l'appui. Ici. Dans cette position, on va venir remonter les genoux, ici, voilà, comme ceci. Si ça c'est trop facile pour vous, vous pouvez faire la même chose, jambes tendues, ici en équerre. Ok, donc dans un premier temps, je vous encourage à faire quelques petites répétitions comme ça. Et une fois que c'est fini, vous récupérez un petit peu et après vous faites du statique. C'est-à-dire, je suis là et je viens marquer la position. Allez, je marque et je maintiens. Ok, même chose, jambes tendues. Et je maintiens. Ok, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, plus vous allez resserrer les anneaux proches de votre corps, plus ça va être facile. Quatrième exercice, même chose, sauf que là, on va se mettre en suspension. Donc là, le but, ce sera de monter un petit peu les anneaux. Donc là, je vais les monter. Ok, ici, très bien. Et ensuite, je pars d'en bas. Et même chose, je monte. Là, ici. Ok, et ça, si c'est trop facile, même chose, jambes tendues. Je suis ici et je lève. Ok, une fois qu'on a fini nos répétitions, vous pouvez aller jusqu'à 10, 15, même 20 répétitions, c'est en fonction de votre niveau. Ensuite, on repasse en statique et je maintiens la position. Donc je suis soit en groupé ici, soit jambes tendues. Attention à ne pas trop tirer les épaules hein, avec les anneaux, c'est vraiment les genoux qui montent hein, ou les jambes. Je suis ici là et je viens pas tirer derrière hein, pour monter les jambes, je suis ici et c'est vraiment que les jambes qui montent. Ok, ici, c'est les abdos qui travaillent, hein. Je veux pas que ça fasse ça. Cinquième et dernier exercice, donc je vais complètement descendre les anneaux. Voilà, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir. Je suis assis ici et je vais positionner mes abdos
devant. Et dans cette position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes. Donc je suis ici et je vais venir faire ici. 1, 2, 3, 4, comme ceci. Si c'est trop compliqué, légère flexion au niveau des jambes et je fais la même chose. Là, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Attention, on reste toujours bien devant. Je ne veux pas qu'on soit derrière. On ne vient pas me lever les jambes en étant derrière ici. Je suis devant et là, je lève. Donc plus vous allez amener loin les anneaux devant, plus ça va être difficile. Alors, je m'entends bien, je pense qu'au niveau de la souplesse, pour certains, ça doit être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à fléchir les jambes, mais on essaye de garder les anneaux assez loin devant pour vraiment bien solliciter nos abdos ici. Là, là. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Concernant les répétitions et le nombre de séries, allez, vous pouvez faire entre 3 et 5 séries de 10 à 15 répétitions. Mais attention, soyez vraiment propre sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si à la 8 ou à la 9e, vous commencez à relâcher un petit peu le bas du dos ou vous sentez que la répétition, elle n'est pas correcte par rapport à ce que vous faites, n'allez pas au-delà. Vous prenez un temps de récup entre 1 minute et 1 minute 30 et après, on refait la série. Concernant aussi tout ce qui est statique, vous pouvez essayer de rester le plus longtemps possible à chaque fois. C'est comme ça que vous allez progresser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo en espérant que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner et activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Si jamais vous êtes de passage sur la Côte d'Azur et que vous voulez faire un coaching dans cette belle salle de gym, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet que je mettrai dans le lien de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça a été un grand plaisir. Bye bye les amis!